Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vous retrouve pour ouvrir un swap de Noël que j'ai fait avec Bérangère de la chaîne Lecture en B. Je pense que nous ouvrons notre colis le même jour et donc pour moi c'est le 2 janvier. On a pris un petit peu de retard et on préférait donc se l'envoyer après les fêtes, mais au moins être sûr d'être au taquet, d'avoir bien finalisé le tout. Et donc eh bien si la vidéo de Bérangère est déjà disponible, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite parce que vous allez voir que cette grande folle ne m'a pas envoyé un mais deux colis et que donc eh bien ils prennent un peu de place. Voilà, ça c'est le premier, hein. Voilà. Et comme ça ne suffisait pas, apparemment, voilà le deuxième. Et oui, je vais déjà commencer par ouvrir le carton et on va en savoir un petit peu plus. Déjà rien qu'à ouvrir, je vois un truc griffon d'or sur le dessus. Rien que ça, ça me fait rêver. Oh mon dieu, voilà, 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 voilà ce qu'on voit. Regardez, regardez le début là, vous voyez le petit griffon d'or. Et oh là 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 là, oh mais il est plein, elle est folle, je le sens, mais... Oh, je vais ouvrir le deuxième. Faut que tout soit ouvert, parce que j'aimerais bien d'abord trouver sa petite carte. Elle en a mis une. Donc déjà pour commencer, elle a été me trouver un superbe tote bag de griffon d'or. Donc il est trop beau et je sais pas si tu le sais Bérangère, mais je fais collection des tote bags et celui-là, alors là je vous avoue que c'est vraiment le must du must. Il est splendide, il est vraiment magnifique, t'es quand même une grande folle hein. Donc voilà, donc ça commence déjà extrêmement bien et quand je vois le nombre de paquets qu'il y a à l'intérieur, mais ça me fait juste affoler, je vous jure. J'ai la carte! Ça y est, j'ai la carte! Donc, on va commencer par le début, la carte. Oh, elle est trop belle! Regardez comment elle est belle! Bah écoute Bérangère, j'espère aussi qu'on va se recroiser sur les salons, ça c'est clair. Et en tout cas, merci beaucoup. Il faut savoir que Bérangère et moi, on va faire le swap marathon ensemble l'année prochaine. C'est un swap donc toujours livre addict, où chaque mois, eh bien, on s'envoie un livre en fonction d'un thème qui y est donné. Et donc je suis particulièrement ravie de le faire avec elle. Après là, je dois vous dire que j'affole parce que je crois qu'il y a 24 colis dans le paquet, quelque chose comme ça. Et moi j'ai dû m'arrêter à une vingtaine. Et voilà, j'affole un petit peu. Il y en a partout, je sais plus où donner de la tête et j'ai même pas commencé à ouvrir que je suis déjà tout émue. Donc eh bien mille merci ma belle Bérangère pour tout ce que tu fais, voilà, mille merci. Donc elle m'a fait un menu, donc on va essayer d'y aller dans l'ordre. 1. Lettres et menus, ça c'est bon, j'ai trouvé. 2. Il fait froid, pour récupérer un colis, réchauffe-toi donc. Il fait froid, pour récupérer un colis, réchauffe-toi donc. Donc le 2. Ça c'est le 2. Oh mon dieu! Alors c'est une écharpe qui est juste magnifique, somptueuse. Je sais pas si vous allez la voir. Elle est noire évidemment. Avec des paillettes argentées. Elle est juste... Et puis vous savez, elle est... Elle est en rond, du coup vous pouvez la porter et la tourner autour du cou. J'adore, franchement. Franchement, merci. Rien, enfin c'est. Merci, il est superbe. Je pense que celui-là, en effet, il va bien me servir au long de cet hiver. Il est superbe. Merci beaucoup. 3. Voici des compagnons. Alors, 3. Donc elle m'a mis voici des compagnons et je pense qu'on est parti sur des marque-pages. Je vais voir ça tout de suite. Alors je fais attention parce que je viens de me couper avec le ciseau en ouvrant le carton. Alors t'as pas lésiné sur le scotch hein, par contre. Oh waouh. Oh superbe. Donc ce sont des marque-pages qui sont signés Mine. Alors je ne connais pas. Je pense qu'ils sont faits à la main et ils sont totalement magnifiques. C'est Alice au pays des merveilles. Avec la petite breloque qui va bien. Et franchement, il est... Mais j'en suis totalement fan. Et le deuxième, on est dans un style un petit peu plus gothique.
avec toujours une petite breloque qui ici est une rose. Donc je continue, alors 4, une nouvelle sorte de sang de bourbe, point d'interrogation. Alors la chaussette, parce que ça en fait c'était l'une des conditions, on devait s'envoyer une chaussette de Noël remplie apparemment de gourmandises. Et donc voilà, c'est chose faite. Donc le 4, je l'ai trouvé, donc je vous coupe, hein, parce que je peux vous garantir que je fouille pas mal, parce que autant vous dire que honnêtement, il y a énormément de paquets, et donc bah, c'est assez compliqué de tout trouver. Alors, sentirez bien le livre ou un truc du style. Oui, ça sent le livre. Une nouvelle sorte de sang de bourbe. Ah, excellent. Je crois que là-dessus, je peux le dire, hein, parce qu'elle a déjà ouvert le swap, donc je ne spoil rien. Je lui ai offert le même, donc on a eu exactement la même idée. Donc Bérangère, si ça te tente, une petite lecture commune là-dessus, moi ça m'irait bien. Donc elle m'a offert Covenant, le tome 1, Démon suivi de Sang mêlé, par Jennifer L. Armentrout. Donc je n'ai jamais lu de Jennifer L. Armentrout, je ne connais pas du tout, et alors je vois Démon suivi de Sang mêlé, donc du coup je ne sais pas du tout comment ça fonctionne cette saga. Donc apparemment on a dans ce livre le Covenant 0.5 qui est Démon, qui fait 86 pages, et après on passe au 1 Sang mêlé. Par contre il faut que je fasse gaffe parce que comme je saigne un petit peu, j'ai peur d'en mettre plein mes livres, ça c'est dégueulasse. Donc eh ben merci beaucoup en tout cas, et franchement il me fait trop envie. Et donc encore une fois, si t'es partante ou si l'un d'entre vous est partant pour faire une lecture commune dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. 5. Ils protègent la nuit mais ils sont aussi magnifiques. Ils protègent la nuit mais ils sont aussi magnifiques. 5. Alors le 5 je l'ai vu dans le coin. Yes. Hop. Ils protègent la nuit. Non là honnêtement, je vais même pas essayer de deviner parce que je vais pas trouver. Donc ça se présente comme ça, dans une petite pochette. Ah, je crois que je vois à travers et que j'ai deviné. Oh si c'est ça, c'est trop génial. Ah, oh là là, eh, franchement. Oh, elles sont magnifiques. Et je vais te dire honnêtement, je voulais t'en acheter des boucles d'oreilles et j'avais relu comme quoi t'avais pas les oreilles percées, donc fallait pas t'offrir de boucles d'oreilles. Donc voilà, je t'en ai pas offert. Mais en tout cas, j'adore, franchement, bah ouais, j'adore les boucles d'oreilles, je pense que tu le sais. J'en porte sur toutes les vidéos, donc ça se voit. Et honnêtement, elles sont somptueuses. Franchement, je sais pas quoi te dire. Hein, voilà. Je pense que j'essaierai de te remercier en fin de vidéo parce que là je perds un petit peu mes mots. Je suis hyper sensible et je dirais ce moment, en ce moment encore un peu plus que d'habitude. Donc du coup, eh ben, ça me touche énormément. Et pour être honnête, elles sont vraiment, vraiment, vraiment très très belles. 6. Dans la chaussette, une autre façon de se chocolater. Ça par contre, ça sent les calories à plein nez, ça. Alors, c'est pas ça. Donc ça. Qu'est-ce que c'est, pas de vrai, le comptoir de Mathilde? Oh non, le véritable chocolat chaud. Oh, qu'est-ce que c'est, Hot Chocolate? Oh, alors ça, mon Dieu, ça doit être trop bon. Hot Chocolate, chocolat au lait, caramel, beurre salé et Hot Chocolate, chocolat au lait, tiramisu. Donc c'est le comptoir de Mathilde, je ne connais absolument pas. Je vous montre, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais je connais pas, mais alors je peux vous dire que ça a l'air quand même super bon. Et donc, d'après ce que je comprends, il faut chauffer son lait, je pense, et mélanger avec la petite chose là, le petit chocolat, la petite barre de chocolat. Alors je vais être honnête, il est un peu tard là, l'heure où je fais, donc du coup... Dès que je finis la vidéo, franchement, je vais m'en préparer, mais direct, hein, je te jure, direct dans la foulée. T'as quand même des idées de folie, je sais pas où tu vas chercher tout ça. Enfin, je suis très très loin d'avoir ton imagination, je te jure, c'est assez hallucinante quand même. Vraiment.
7. À cette époque, son côté dark était faiblard. À cette époque, son côté dark était faiblard. Alors, voilà le 7. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors au paquet, franchement, ça sent quand même un petit peu la Funko Pop. Alors par contre, la Funko Pop, son côté dark était faiblard. Ça peut être supernatural. Sinon, franchement, je sèche. Bah tu vois. Tu vois, je te connais bien, tu me connais bien visiblement, parce que en effet, il s'agit de Supernatural. Il s'agit de Sam Winchester. Et donc, bah, pour ceux qui regardent la série, vous comprendrez pourquoi son côté dark était faiblard et ne l'est plus aujourd'hui. Donc celui-là, je peux te garantir qu'il va direct aller rejoindre ma collection, j'adore. Et donc, moi je vais l'ouvrir parce que oui, je suis de ces personnes qui ouvrent les pop, je les laisse pas dans les boîtes, je sais. Ça peut paraître une hérésie, mais voilà. C'est vrai que j'aime bien les ouvrir. Et je garde même pas les boîtes, hein. En fait, pour être honnête, je les jette. Ça, c'est les grands collectionneurs vont me haïr pour ça. Et donc je m'étais dit que jamais je n'allais craquer sur les pop, ni faire collection, ni... Et là c'est déjà ma sixième parce qu'en fait je suis complètement fan des Funko Pop, ça m'éclate, je trouve ça extrêmement ludique et super mignon. Et dans la bibliothèque, franchement, je trouve que c'est sympa. Donc voilà, le petit Sam. En tout cas, il est trop trop bien. Je pense que je vais le mettre directement dans la bibliothèque. Donc du coup, on ne le voit pas trop bien, mais il est là. Je l'ai mis directement dans la bibliothèque et je l'ai mis à côté d'une petite tête de mort parce que je trouvais que ça allait particulièrement bien avec la série. Merci beaucoup. Pourtant, j'avais dit que je dirais pas merci toutes les 3 minutes, mais là, je me sens un peu... voilà quoi. Pff. 8, tu es déjà très jolie, mais on aime prendre soin de soi. Alors, le 8... Donc le 8 c'est ça, c'est pour prendre soin de soi. Et là j'avoue que j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors par contre préparez-vous hein, parce que vu le nombre de colis, la vidéo elle va être très très longue. Hein. Autant vous dire tout de suite. Alors la trousse elle a l'air trop bien. Ah ouais la trousse elle est belle. Et en plus il y a un truc dedans. Oh là 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 la choupette. Hein. Franchement. Donc il y a la super trousse de maquillage et ça honnêtement ça me sert toujours. Surtout que là j'en emmène une qui est toute cracra dégueulasse. Donc je vais la garder et je sais déjà qu'elle me servira de trousse de maquillage. En plus comme ça, ça me fera encore plus penser à toi. Il y a, alors c'est un truc de meuf, hein, désolé les gars, mais il y a donc le polissoir 3 faces pour faire les ongles. Une super palette, alors t'as trop bien choisi les couleurs parce que comme j'ai les yeux bleus, honnêtement c'est vraiment les couleurs que je mets quoi. Le vernis à ongles rouge, genre on voit quand même que tu me connais bien. Ah, franchement il est trop beau, en plus il est, il fait gel a priori et il est bien foncé donc je pense que franchement... prochaine vidéo, j'aurai ton maquillage, ton vernis à ongles et tes boucles d'oreilles. Et aussi le col. Non mais comment tu sais que je porte du col? Sérieux? Comment tu sais tout ça? Mais c'est hallucinant quand même quoi. En tout cas, merci, t'as encore une fois tapé mais pile dans le mille au niveau des couleurs, au niveau de ce que je porte. T'es assez incroyable. Waouh. Juste waouh quoi. 9, note bien tes devoirs. Mais alors les devoirs, ça fait un moment que j'en ai plus parce que j'ai fini mes études depuis au moins 7 ans. Et pour être tout à fait honnête, j'ai passé tellement de temps que j'ai pas envie d'y retourner. Ceci étant dit, note bien tes devoirs, ça peut sentir le carnet et si c'est le cas, t'inquiète pas, il va servir. Donc le 9, il est là. Donc en effet, je pense que... Oh, trop beau. C'est un carnet Harry Potter. Rouge aux couleurs de Gryffondor, évidemment. Et il est juste somptueux. Ah, il est magnifique. À l'intérieur, c'est un... En fait, c'est un weekly planner. Une sorte de bullet journal, en fait, si vous voulez. Vous avez bien chaque semaine. Et à la fin, vous avez plein de pages qui sont dédiées aux notes. Il est magnifique.
Alors, il faut que je vous avoue que Harry Potter a quand même le don de me faire retomber en enfance. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez le collier, mais c'est le collier des reliques de la mort, donc c'est bien, j'étais dans le thème. Il est magnifique, franchement, il est splendide, merci beaucoup. Je suis comme toi, hein, je collectionne les carnets, j'adore les carnets, donc j'ai avoir plein de choses à noter dedans. Et en général, je note soit tout ce qui a trait au voyage, parce que quand je voyage, j'aime bien me préparer mes voyages, donc je sais jamais où je dors, mais je sais où je vais et ce que je veux voir. Ou alors j'écris aussi énormément tout ce qui a rapport à la lecture, les livres que j'achète, ce que je lis, etc., etc. 10, une de plus à ta collection. Alors le 10, une de plus à ta collection. Vous remarquerez que les chiens sont pas là aujourd'hui pour me dire si ça se mange ou pas. Ils sont partis squeuter, il est trop tard, ils ont pas envie de bouger. Alors 10, ah, hop. Donc 10, c'est cette petite chose. Voilà, une de plus à ta collection. Alors là, je suis... Qu'est-ce que je collectionne, hein? Plein de choses, mais je vois pas. Pire, j'ai aucune patience pour ça. Une de plus à ta collection. Qu'est-ce que ça peut être? C'est une, donc c'est pas un marque-page. Ah si, d'accord. Oh là 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 là, oui. T'es une grande malade quand même. Donc oui, une de plus à ma collection, parce que tu vois celle que je porte au doigt, tu vois pas toutes celles que j'ai pas, que je porte pas. Et elle est... Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Tu sais quoi, là j'ai quand même la panoplie complète pour pouvoir faire une vidéo avec du Made in Bérangère quand même. Hein. Made in lecture en B. Tiens, je vais essayer de la mettre. Donc voilà. Je sais pas comment tu fais pour cerner aussi bien mes goûts, c'est un truc de dingue. Et honnêtement, enfin je vais être honnête avec toi, c'est hyper touchant en fait. C'est hyper touchant, surtout que j'ai une année de merde. Et là, voir ça, c'est... ça me met les larmes aux yeux, ça me touche. Franchement, ça me touche profondément. Je sais même pas comment je peux te remercier en fait. Je suis remplie d'émotions, de tout ce que tu as fait pour moi, c'est... C'est exceptionnel parce que, eh ben, il faut quand même savoir pour ceux qui regardent que je n'ai ouvert que la moitié de ce qu'elle m'a offert. Juste la moitié quoi. Ça vous donne un petit peu une idée de l'ampleur de la folle dingue que c'est quoi. 11. J'ai l'impression que tu aimes tellement cette autrice. Alors on va voir, c'est possible. 11. Donc ça c'est un livre. Alors, à la pêche. Donc voilà, le 11, c'est un grand format, c'est une autrice que j'aime énormément. Alors le problème, c'est qu'il n'y en avait qu'une que j'aime beaucoup. Et que pour être honnête, ma wishlist, je vais filer ma wishlist Libre Addict dans lequel il doit y avoir à peu près 300 livres. Donc autant vous dire que je ne sais absolument pas ce que ça peut être. Alors là, je vais un peu spoiler parce que j'ai fait ça. C'était pas fait exprès. Hein. Ceci étant dit, ça ne me dit pas absolument pas ce que c'est. Je sais toujours pas. Une autrice que j'aime... Camille Brissot. Ah, la maison des reflets, excellent. Il a l'air trop trop bien. Ce livre, il me tente vraiment trop. Alors par contre, Camille Brissot, je crois que je la connais pas. Ou alors, peut-être que j'ai lu des livres d'elle dont je me souviens plus, parce que ça m'arrive aussi, je retiens pas forcément le nom d'auteur, shame on me, mais c'est vrai. En tout cas, la maison des reflets, il me faisait de l'œil depuis un moment, et je suis super 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 contente que tu me l'offres, parce qu'il me fait vraiment envie. Donc en fait, ici, on est dans une histoire où il y a des maisons de départ qui ressuscitent les morts grâce aux reflets, et donc ils reproduisent à la perfection le physique, le caractère et le petit je ne sais quoi qui appartient à chacun. Donc on va suivre un enfant du nom de Daniel qui a grandi dans l'une de ces maisons de reflets, non, dans l'une de ces maisons de départ, et dont les meilleurs amis sont justement des reflets, jusqu'à ce qu'il rencontre Violette, une fille imprévisible et lumineuse, bien vivante. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir, il a l'air vraiment super génial, donc pareil, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, mille merci Bérangère, parce qu'il me tente vraiment vraiment beaucoup, t'as super bien pioché une fois encore. 12. Tu m'as dit du chocolat. Oui, c'est vrai, j'aime pas le café, j'aime pas le thé, je suis chocolat à fond, chocolat, chocolat, chocolat. Donc oui, je t'ai dit du chocolat, c'est vrai. Donc 12, tu m'as dit du chocolat, ça sent la boîte de chocolat. Ça sent surtout le chocolat pas bon du tout pour le régime, ça. Par contre, très très bon au goût, j'avoue. Oh putain, c'est très bon. Oh, mon dieu.
Donc il faut que tu saches que je suis très 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 fan de Ferrero Rocher. Donc merci beaucoup, je vais même pas l'ouvrir tout de suite, sinon je vais en bouffer tout le temps, je vais en avoir plein la bouche le temps du reste du swap, donc ça se fait pas trop. Et waouh, merci, franchement merci beaucoup, c'est super sympa. Non vraiment j'adore les Ferrero et celui-là il va pas faire de vieux os. C'est juste il va rendre mes chiens jaloux parce qu'ils vont faire que d'essayer d'en bouffer. 13, reconnaîtras-tu de qui il parle? 13, c'est ça. Est-ce que c'est un petit bijou ou un marque-page? Ça fait pas forme marque-page. En même temps, ça veut pas dire grand-chose non plus. Ouais, ça sent le bijou là. Alors. Oh, oui, je reconnais, oui. Donc, est-ce que je reconnais de qui il parle? Oui, puisque j'ai deux Funko Pop et la batte de baseball juste derrière moi dans la déco. Donc oui, en effet, je reconnais très très bien Harley Quinn, puisque je suis terriblement fan d'Harley Quinn. Et donc ici, eh bien, c'est la batte de baseball de Harley Quinn en pendentif avec le losange. Voilà. Le losange qui lui correspond. Donc voilà, oui, Harley, c'est un personnage que j'adore. Et alors, c'est très très con, mais il y a un truc qui me fait extrêmement rire, c'est que sur la batte de baseball de Harley, il écrit Good Night, et en fait sa batte elle s'en sert quand même pour exploser la tête des gens. Et voilà, je sais c'est de l'humour à deux balles, mais moi ça me fait juste mourir de rire. En tout cas merci, il est génial, en plus j'en avais pas du tout de Harley Quinn, donc eh bien je pense que je vais le porter, et donc eh bien pourquoi pas aussi dans une prochaine vidéo, je pense que j'aurai vraiment la totale. Dans le Nord, on se protège les doigts. Et bah écoute ma poule, ça tombe bien, je suis lilloise d'origine, même si maintenant j'habite en Normandie. Donc je sais ce que c'est que le froid du Nord. Alors, oserais-je parier sur une paire de gants ou de mitaines ou de je ne sais quoi? Oh, ils sont trop beaux. Ils sont tout mimi. Une jolie paire de gants. Donc je les enfile. Voilà. Je pourrais presque vous faire la fin de la vidéo avec les gants. Puis il y a des cheveux. Bérangère, t'as laissé tes cheveux dessus. Ils sont excellents. Franchement, ils sont carrément excellents. Je vous aurais bien fait la fin de la vidéo, mais le fait est que pour ouvrir les paquets, je suis déjà pas douée de mes deux mains. Si en plus, c'est mes deux mains gantées, j'ai peur qu'on frise la catastrophe, donc je vais peut-être éviter quand même. Ils sont extra. Merci beaucoup, ma belle. Franchement, ils sont géniaux. Je pense que j'ai bien pensé à toi, quoi, quand je les mets. 15. Par petits bouts, c'est plus léger. Est-ce que ça se mange le 15 hein? Donc 15, c'est ça. Donc je suis désolée, ma batterie a décidé de couper pile au moment où j'ouvrais le paquet. Mais elle m'a donc offert des mini bouchées Côte d'Or. Donc on reste dans le chocolat. Hein. Je vous ai dit que j'aimais le chocolat, on reste dans le chocolat. Je pense que c'est pas après Noël, visiblement, que je vais faire régime. Donc ça va être un brin compliqué. Mais t'inquiète pas, hein, je vais les manger, il n'y a aucun problème. D'autant que quand j'ai du chocolat sous la main, c'est toujours un petit peu compliqué de pas le manger. Surtout du Côte d'Or, quoi. Ou les Ferrero, c'est pareil. 16. Une dystopie pour une lecture commune. Eh ben écoute, je te dis oui d'avance, je sais pas ce que c'est, mais lecture commune, je te dis oui d'avance. Donc 16. Ouais, alors c'est pas moi, hein, y a ton scotch qui se fait la malle par endroit. Pourtant, je te jure qu'il tient bien. Oh yes! Yes, 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 yes! Alors si je me trompe pas, c'est Pikiti Booking qui adore cette dystopie. Si je vous dis pas de bêtises, il s'agit de Destiny par Cecilia Ahern et chez Hachette. Et alors honnêtement, elle me tente de fou quoi. Vous savez, c'est cette histoire où vous êtes dans un monde où tout le monde doit être parfait et lorsque vous n'êtes pas parfait, vous êtes marqué. Par exemple, vous êtes marqué sur la langue si vous avez menti, sur la paume de la main si vous avez volé, etc. etc. Et franchement, il me semble que c'est Pikiti qui l'a adoré et il me faisait vraiment trop 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 envie. Je sais pas comment tu fais pour savoir les livres dont j'ai le plus envie, toi. Mais en tout cas, il me tente vraiment bien et donc, ouais, je suis largement ok pour une lecture commune. Et si d'autres personnes ont envie de se greffer à cette lecture commune, je pense que Bérangère n'y verra strictement aucun inconvénient à ce qu'on se fasse une lecture commune à plusieurs. Donc le 17, le voici avec un peu de chaleur à l'intérieur. Je me demande si c'est pas un mug. Vous savez, les mugs qui changent de couleur quand vous mettez du liquide dedans. Il faut savoir que je collectionne les mugs. Donc...
Ah bah oui, là, en effet, je vais pas avoir grand-chose. Bon, bah écoute, je te dirai... Donc voilà, comme il n'y a rien dedans, pour l'instant, il est tout noir. Je sais pas trop. Ouais, on voit pas trop. Je vois une main. Ah, je me demande si c'est pas The Walking Dead, quand même. Avec les deux mains de zombies. De toutes les manières, je vais tester le chocolat que tu m'as filé là pour me faire un chocolat chaud. Donc honnêtement, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je vais me faire un chocolat chaud. Et si j'y pense, j'ai bien dit si j'y pense, j'essaye de vous filmer le mug une fois qu'il y aura le chocolat dedans et qu'il sera chaud. Je vais essayer de penser à vous faire ça. Et donc voilà, on le laisse et je sais pas si vous voyez, mais c'est en train d'apparaître petit à petit. Et donc c'est bien un bol The Walking Dead. Oh, c'est génial. C'est juste génial. Donc en fait il va pas plus haut parce que j'ai pas mis de lait plus haut. Hein. Je me suis arrêtée là. 18, un peu de douceur printanière. Donc le 18 c'est ça. Donc un peu de douceur printanière. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais l'enlever là. Cottage. Oh excellent. Est-ce qu'ils sont... Donc c'est un gel douce cottage à la fleur d'oranger. Alors ça, je trouve que c'est des super idées pour les swaps. Et moi, j'avoue, c'est des trucs auxquels je pense pas. J'ai pas l'idée de faire ça. J'ai pas l'imagination qui va. Ah, ça sent super bon. Ah ouais, en plus, ça sent super bon. T'as raison, ça sent vraiment le printemps. Et avec le temps de merde qu'on a, franchement, ça va faire du bien, quoi. Au moins, un petit peu de printemps et de soleil sous la douche, ce sera déjà pas mal. Bah merci beaucoup, c'est super sympa. Je vais l'essayer aussi. Alors, 19, tu es paré pour la coupe. Ah ah, alors là, donc 19 c'est cette grosse bébête là, franchement je sais pas ce que c'est. Tu es paré pour la coupe de Quidditch. Allez, on va regarder. Ah non, exceptionnel. C'est une grande malade. C'est une grande malade. Désolée pour les bruits de papier au fait, je sais que c'est insupportable à la vidéo. Regardez, elle m'a offert un pull Harry Potter. Non mais où est-ce que t'as eu ça? Mais j'ai pas ça par chez moi. J'ai aucun magasin qui vend des pulls Harry Potter, quoi. Oh mais c'est trop bien. Alors peut-être as-tu un Primark par chez toi, sauf que moi je n'ai pas. Et si c'est ça, t'as trop de chance parce que c'est quand même génial. Alors, ah, il est trop beau. Vraiment, il est trop beau. Regardez. Il est magnifique. Waiting for my letter from Hogwarts. Et franchement, il claque. Il est trop bien. Merci, franchement, merci. Il est trop beau, mais tout ce que tu m'offres, c'est trop beau, c'est magnifique. C'est, je sais pas quoi dire. Je sais que j'en ai plein les lèvres, que je répète plein de fois la même chose, mais honnêtement, je le pense sincèrement. Et merci beaucoup. Voilà, je suis super touchée. Enfin, c'est super mignon. On continue du coup. Ouais, je suis un peu perturbée. Donc, vin gourmande. Ça, je sais ce que c'est. Ça, je l'ai reconnu. Je sais pas si vous reconnaissez la forme du pot. Et j'ai même pas besoin de l'ouvrir pour vous dire que c'est du Nutella. Donc oui, je suis très 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 fan de Nutella. Tu veux vraiment la mort de mon régime, quoi. Il n'y a pas... Attends, entre les Ferrero, les Côtes d'Or et Nutella, franchement, tu tapes super juste, hein. Par contre, là, je vais t'avouer que tu tapes super juste. Mais voilà. Mais merci beaucoup, c'est génial. Je vais penser à toi encore une fois quand je vais manger. 21, il est plus petit que les autres. Je sais pas. 21, il est plus petit que les autres. Alors, peut-être en épaisseur. Mais par contre, en hauteur, pas. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la taille du bouquin par rapport à ma tête. Donc en fait, j'ai compris. Plus petit que les autres, c'est Grisha. Parce que oui, en effet, il est plus fin que Six of Crows, ça c'est clair. Ceci étant dit, je pense qu'il sera vraiment tout aussi bien. J'ai vraiment hâte de le lire. Je sais pas si tu l'as lu ou si l'un d'entre vous l'a lu. Je pense qu'il est vraiment excellent. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de présenter Grisha, Six of Crows, toute cette fantasy, etc. Et j'ai vraiment hâte de lire. En plus, sa couverture, elle est canon, quoi. Ensuite, autour du tote bag, 22 bis, quand il n'y en a plus, il y en a encore, et 22 terres, il nous reste tous une âme d'écolier ou pas. Alors, donc, le 22, comme je vous disais, c'est le tote bag que je vous ai présenté. Hop, tout à l'heure, il est totalement magnifique.
Et honnêtement, je pense que je vais l'emmener au boulot. Ça fera beaucoup rire mes filles parce que j'emmène toujours 36 000 sacs au travail. Donc là, je pense que pour le coup, celui-là, il vaut vraiment le détour. Et donc, le 22 bis, c'est ça. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah ah. Oui, c'est un peu ça. Hein, parce que t'as fait peut-être un petit peu beaucoup très très fort sur le swap, ma grande. Hein. Oh, c'est Harry Potter encore. Oh, c'est une trousse Harry Potter. Elle est géniale. Elle est géniale. Franchement, mais je retombe en enfance, moi, carrément, complètement. Voilà, c'est une trousse Harry Potter. Elle est trop bien. Et mais celle-là, je pense que... Je sais même pas si je vais mettre des crayons dedans. Je pense que je vais plutôt m'en faire une trousse de toilette ou je sais pas quoi. Elle est trop géniale. Elle est magnifique, merci beaucoup ma Bérangère, merci, 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 merci encore mille fois, elle est vraiment superbe. Pour info, il y a mon chien qui est là, qui la regarde d'un air très très intrigué parce qu'il sent la bouffe, mais ça vient absolument pas de la trousse hein, chien. Non, non, non. Et donc on avait dit le 22 terre, il nous reste tous une âme d'écolier ou pas. Alors, ah bah oui, carrément, c'est des chaussettes. C'est des chaussettes, elles sont trop bien, chaussettes Harry Potter. Évidemment. Ah, ils sont trop bien. Don't let the muggles get you down. Celle-là. Oh, elles sont trop belles. Ah, elles sont trop belles. Et franchement, elles sont trop géniales. Ensuite, on arrive sur la fin avec demain matin pour se réveiller. Alors, c'est ça. Alors ça, c'est extrêmement lourd. Et ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Hein. Demain matin, pour se réveiller. Demain matin, quand je vais me réveiller, je vais être en potage déjà, ça c'est sûr. Alors, ah non, oh, t'es trop mignonne ma poule. Ouais, c'est l'indispensable de mes matinées, le chocolat chaud. Vous voyez, moi je fais partie de ces gens qui, même à 33 ans, se disent que quand même, le chocolat chaud et Harry Potter, ça reste une valeur sûre. Il faut garder une âme d'enfant, ça fait du bien. Le 24, je voulais penser à eux aussi. Alors, c'est ça. Alors, est-ce que tu aurais pas pensé à mes chiens quand tu dis à eux aussi? Parce que franchement, si tu as ramené des trucs pour les chiens, ils vont être tarés. Hein. Je pense que si c'est ça, je vais les appeler. Je ferai un petit truc en direct. Donc, j'ai vu juste, hein, c'est bien pour mes chiens. Viens, Yazos, viens, viens. Ça, ça a l'air extrêmement bon quand même. Hein. Pour Isis, elle dort dans le salon, donc j'irai lui donner tout à l'heure un morceau, je te la filmerai pour te montrer Bérangère. En tout cas, je peux dire que Yazos, il est assis à mes pieds en me donnant la patte, tout ce qu'il peut pour en ravoir. Écoute, je sais pas quoi te dire. Je sais pas si tu vois, je sais pas si tous vous voyez le swap qu'elle m'a envoyé, les colis qu'elle m'a envoyé. C'est un truc de dingue. Et je suis extrêmement, extrêmement touchée. Tu me connais vraiment au niveau de mes goûts, c'est hallucinant. Et enfin, je sais même pas quoi dire parce que je peux dire que je suis ravie du swap, c'est vrai. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est même pas encore assez fort. Tellement je suis, ouais, je suis touchée quoi. Vraiment, t'imagines pas. En tout cas, je suis absolument ravie qu'on fasse ce swap marathon l'année prochaine et qu'on s'envoie des colis tous les mois. Je pense que ça va être assez chouette. Et à tous, ben voilà, je pense que vous pouvez voir, vous apercevoir de qui est Bérangère, qui est cette personne. Si vous connaissez pas sa chaîne, allez y faire un tour, c'est Lecture en B, je vous donne le lien en barre info. C'est une personne qui est exceptionnelle et qui parle exceptionnellement bien des livres. Et vraiment, allez voir, vous verrez, enfin moi c'est quelqu'un que j'adore, elle mérite d'être découverte au niveau de sa chaîne. Et Bérangère, t'es vraiment quelqu'un que j'adore et j'espère en effet qu'on pourra se croiser sur les salons l'année prochaine. En tout cas à tous, je suis même pas désolée de vous dire que la vidéo a été longue parce que de fait elle a été longue, mais j'ai pris énormément de plaisir. J'espère que vous aussi ça vous a plu de regarder cette vidéo. Si vous faites des swaps, je pense que là vous avez vraiment pléthore d'idées pour vos prochains swaps parce que je crois que elle a vraiment tapé dans tous les domaines, elle est quand même assez exceptionnelle. Écoutez, en tout cas à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bye. Ah non, mais t'as déjà tout mangé, hein?